Direct Skills a un deuxième prix UX Eco et nous avons le plaisir donc de vous proposer de prendre la parole et de commenter donc ce projet. Voilà. Donc Direct Skills, faut dire qui vous êtes. Vous êtes conseil en achat d'intérim. On est conseil en achat d'intérim et éditeur d'une solution de gestion d'intérim. Et le maître mot derrière les aspects logiciels, c'est transformation. J'ai malheureusement très très peu de temps pour expliquer des choses qui sont un peu complexes, mais très souvent dans nos univers à nous, l'informatisation, ça consiste essentiellement à dématérialiser des documents qui s'échangent, et en fait ça ne permet absolument pas de transformer complètement les processus, et alors que quand on fait l'effort de regarder, d'analyser au fond un processus en utilisant l'ensemble des leviers de la transformation numérique, on peut faire des très très gros gains. Deux exemples, dit comme ça, ça peut ne pas changer grand-chose, mais au fond, ça génère énormément d'impact et d'effets. Traditionnellement, un contrat d'intérim est émis par l'agence de travail temporaire et envoyé au client pour être signé. Avec Direct Skills, c'est le contraire. Le contrat de travail temporaire est émis par le client avec son logiciel et ses paramètres, puis il est signé par les entreprises de travail temporaire. Les enjeux, ils sont importants. Premier enjeu, il est réglementaire, c'est le respect des droits des intérimaires, l'égalité de traitement. J'ai pas le temps de détailler pourquoi ça change tout, mais c'est totalement fondamental. Le deuxième enjeu, il est économique. Nos plus gros clients ont des budgets achats qui représentent des centaines de millions d'euros. Et quand on fait l'intégralité de l'exercice, les gains sont entre 4 et 10%. Quelques chiffres aussi, j'ai parlé de centaines de millions d'euros, on peut parler de plusieurs centaines de milliers de contrats signés tous les ans, on peut parler du même ordre de grandeur de facture, on peut parler de plusieurs milliers d'équivalents temps plein et de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent à un moment ou un autre de l'année chez nos clients. Et derrière tout ça, le vrai levier, il y a un peu de numérique et beaucoup de transformation et de réingénierie de process. Bravo. Bravo.